deux parties dans le projet que j'ai participé, c'est formation en commissariat d'exposition qui était faite en janvier, avec formation en critique d'art qui est faite le 31 mars, qui finit le 5 mai. Formation ça les vient montrer vraiment fonction et un commissaire d'exposition c'est faciliter permettre spectateur capable de saisir dans un laps de seconde qui ça et présence livre veut dire dans espace exposition. Un projet de mise en réseau des institutions culturelles caribéennes qui va faciliter une émergence, une circulation de l'art caribéen et spécialement mettre accent sur le travail femme en dans et Caraïbes. Le projet a trois parties. La première partie, c'était les résidences croisées. La deuxième partie, c'était un stage commissariat d'exposition. Donc, il y a la commissaire d'exposition Verly Poupet qui est venue en janvier 2022. Elle est venue en Haïti pendant un mois pour donner, en commençant par des bases théoriques. Elle avait 10 élèves, 10 stagiaires et ils ont travaillé ensemble sur l'exposition qui expose les œuvres d'art qui ont été faites pendant les résidences, donc dans la première partie du projet. Et ensuite, il y a une troisième partie au projet qui est l'écriture de critiques d'art. Donc, comme on n'a pas beaucoup de... allons dire qu'en Haïti, ce n'est pas un métier qui est très réputé. Je dirais le métier de critique d'art. Il y a des séminaires qui ont été organisés pour apprendre à écrire les critiques d'art. Et ceux-là, en fait, les séminaires étaient par rapport aux œuvres qui ont été créées aussi pendant les résidences. Donc, tout était lié. Les trois parties du projet étaient liées l'un à l'autre. Ce sont des artistes extraordinaires, tous les artistes ont l'exposition, avec des voix artistiques très différentes. Ça a été une expérience très intéressante, parce que même qu'elles sont très différentes, aussi elles ont tellement en commun. Les pièces qu'elles ont produites pendant leur résidence ont des thèmes qui sont très liés, très similaires, et je pense que c'est ça qui fait l'exposition. The idea I came to Haiti with was to stemmed from a project I'd started before in 2017, wherein I wanted to look at and find ways of communicating in the now the history between Jamaica and Haiti. For me, the entire project is really a celebratory engagement, looking at women and how they push with what is naturally theirs. You know, people would have thought that through enslavement we would have forgotten a lot of what we did and who we were and how we did things. But it is still for us now to go back into those spaces and bring those things back to the surface and make it relevant, you know. So the imagery and the things that I've used in the installation speaks to that connection between history and now. Things that we need to be continually telling our story. We need to be making that our mantra. And I'm hoping that a part of the story will be our use of things in a way that is sustainable and sustainable going forward for Haitians, for Jamaicans, for the earth, for the Caribbean.
Parfois, artistes-là, ils sont désorientés dans le processus de création. C'est ça que fait Michel Ricardo. Lorsque le 7 juillet 2021, il est tout président, il a mis des guides à sortir dans le pays. Comme dit Michel Ricardo, c'est un artiste dominicain. Il est en République dominicaine avec tout un projet dans la tête. Il a commencé, c'est dans le fin projet, il est tout président. C'est comme si tout ça était en fait, il est remballé, il est mis de ce côté, il a essayé. Il y a un autre qui est intéressé, c'est logique aux constructions, création, dans la création. Ce n'est pas seulement arrêté dans l'atelier, là, il a fait œuvre là, mais il marche dans toute ville Jacques Mel. Il était avec les Ronald Meuse, après il y a une table centrale, après il y a une dame avec un monsieur qui est un peu chauve, Ronald Meuse, il a discuté avec. Tableau, ça, son installation, il a commencé par un tableau qui présentait, qui bat une information sur l'homme juvenile. Ensuite, il a passé dans le deuxième tableau, où il est tombé dans le barbershop. Ou est que un monsieur qui a fait cheveux, ou tombé dans le troisième tableau, ou est que a plusieurs petits mouns qui a fait jeu football. C'est comme si, le gars de toute installation, c'est comme si il y a qui a fait dans tête, qui gens mouns ont essayé de vivre et question la mort jovenel. Au centre de tableau, où ou joue une forme, ou joue une peinture, mais autour de tableau, ou joue des phrases. Phrases, ça, Michel Ricardo dit, non, et. Explication de ce tableau, c'est que c'est ça que l'on attendait. Et ce qui est important dans Michel Ricardo, que peut-être Haïtien pour le découvrir, c'est la question de vaudou. Que moi-même, personnellement, si je ne fais pas de coup critique dans l'âme, je ne fais pas de. Et c'est vraiment intéressant, les espaces choisis, mettre en valeur le travail de femmes dans la société. Et tout le monde connaît, ça n'est pas capable de donner la place aux femmes. Ce n'est pas la norme dans la société, côté. Un privilège mal, etc., dans tout sens. Donc, c'est un gros avancé. Et la qualité de travail, pour moi, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a une bagaille qui retient attention, c'est la question de travail mémoire. Donc, dans plusieurs interviews, il y a une question de travail qui fait sur la question de marronnage et sur l'esclavage en général, qui a montré comment les femmes ont comporté dans l'époque esclavagiste. Donc, c'est vraiment un travail intéressant. Il y a des artistes qui sont conscients de ensemble de moments historiques dans l'histoire de l'humanité. Côté, un groupe monde qui choisit prison l'autre dans l'intérêt par eux. Donc, moi-même, comme militant, ça, c'est le premier bail qui attire l'attention, mais c'est le premier bail qui fait, capable de me satisfaire de l'exposition. Et puis, donc, c'est l'écologie. Donc, c'est la place de l'écologie dans les expositions. Donc, c'est mettre en valeur ensemble deux éléments de nature là, surtout nous, dans un moment côté, et nous capables de dire. Ça n'est capable d'environnement dégradé, donc le jeune de travail qui met en valeur et ça n'est capable de comme nature. Moi, je dis qu'il faut une symbiose entre le monde avec l'autre élément nature, donc c'est vraiment intéressant. Nous ne pouvons pas souligner résultats, même sans avant Noël, mais résultats, travail, tête ensemble. Espoir, élan, créativité, intelligence qui t'est semblé ensemble pour venir jusque jeudi à, en 2022. Un projet qui t'est supposé fini depuis un an et demi, depuis 2020. Et nous l'a toujours. Parce que nous vivons en Haïti, nous vivons en Haïti, nous travaillons. N'a espéré joindre moyen pour nous dire vérité pas nous et c'est pour accompagner toute qualité ça yo toute compétence ça yo qui vient pour renforcer que FIDC a existé. Expérience moi-même à Myriam gien de bagaille pas connait juste. Je viens apprendre en tant qu'artiste, pendant que j'ai fait l'expérience, je ne pas apprendre tout. Parce que j'ai des choses que Myriam a fait, bon, auparavant, mais ça m'a dit, wow, ça Myriam a fait comme ça. Myriam, excusez, parce que je ne dis pas artiste fou. Je dis, ah, Myriam, il y a un monde fou. Et là, je viens à Pinchita vraiment, je viens réaliser ce que Myriam fait. Pendant que j'ai fait l'expérience avec Myriam, le centre d'art vient de me offre. Il vient mettre en peinture dans l'aquarelle. Il y a des choses que je ne connais pas. Juste, le travail Myriam m'a montré avec l'aquarelle. Il y a un travail, je travaille sur lui spécialement.
pour moi comment tableau ça a sorti. This has really been very energizing for me to be away and to be in a different space with people that are interested in art, are interested in history, are interested in our story. And it's been a very good space, an energizing experience to have been a part of this exhibition. C'est jamais facile de partir de l'Haïti, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, parce que c'est un pays tellement énergique. Mais je pars avec l'idée qu'on doit faire plus de ça. On est totalement satisfait et pour plusieurs raisons. Mais la raison qui principalement, c'est que en fait, un moment difficile comme ça, parce que là, nous reprenons le projet ça. Même le projet ça a lancé en 2018. Nous rappelons que le premier artiste qui rentre en Haïti, c'est Kia Redman, l'obligé de partir sous tête, hein, parce que c'est là que nous commençons à vivre le pays l'or, toute violence qui était gagnée, etc. Donc, tout mouvement, troubles sociaux, ça, en fait, a impacté le travail, là, il est bloqué le projet. Là. Nous satisfaits pour ça, parce que nous arrivons aujourd'hui à la, de mars 2021 à aujourd'hui à la, reprendre ouais, toute composante du projet, là, avancer avec eux, malgré des moments difficiles. Convaincre artistes là-bas pour rentrer en Haïti, ça n'a pas été facile. Hein? Parce que tout le monde a dit, ah, est-ce que dans le moment ça en Haïti, nous pouvons venir, il y a kidnapping, et ceci. Donc, c'est tout un plaidoyer pour faire auprès d'institutions, parce que nous travaillons avec des institutions qui vous permettent que, en fait, nous identifier artistes, qui proposent artistes à travers des appels à projets et faire d'évaluation pour de candidatures. C'est difficile parce que toute mon institution ça va dire non, est-ce que Haïti c'est maintenant nous qu'à reprendre et sans compter même s'il y a des artistes étrangers qui pas de vivre en Haïti mais nous t'ai envoyer des artistes haïtiens mais non Covid l'a vient empêcher que artistes donc en dehors de troubles sociaux en Haïti yo, Covid l'a pas aider tout comme si et je dis en la laine garder pour nous que nous atteignons notre objectif nous lançons ça à 100% que tout artiste soit capable de voyager ou venir ou faire résidence franchement sans satisfaction et pour nous-mêmes et même tout pour Bayeux, pour UNESCO avec qui nous travaillons sur ce projet ça, même yo même tout yo féliciter Centre d'Or sur le travail ça parce que yo même yo pas croire que nous t'as capable d'arriver faire parce que tellement autant d'informations sur Haïti et yo saisi que je tiens là nous arriver en face ça pour le projet.